On ne peut pas collaborer quand on n'a pas une équipe.
Alléluia. Écoutez-moi. La loi qui justifie la bande ou même l'assemblage d'hommes ne dit rien en matière de collaboration. On ne collabore pas parce qu'on est nombreux. Je connais un papa qui a eu 17 fils parce que son père lui disait, je lis ma Bible, on dit multipliez-vous. Quoique la Bible n'a jamais dit multipliez-vous. La Bible dit multipliez-vous. Et lui, il a fait beaucoup des enfants sur terre. Et à tout moment, je lui posais la question de savoir, papa, pourquoi tu as beaucoup d'enfants avec beaucoup de femmes? Et aujourd'hui, tu dis totalement déjà 17 fils. Il m'a dit, moi, si tu as un côté béré-béré, Oyo, à quoi il m'adoptait, au papa, il m'a défi, au papa, il m'a la bonne, il m'a dit, il m'a. Écoutez-moi, ce papa est mort à l'âge beaucoup plus avancé. Même si on m'est proposé cet âge pour mourir, je vais accepter et je serai content. Ça veut dire une personne qui est allée jusqu'à à ce que la nature lui dise va te reposer. Laissez-moi vous dire, à 100 ans sur terre, mais pauvre, malgré les 17 fils. Qu'est-ce qui se passe? Ces enfants étaient décimés. Cet enfant, n'est-ce pas, était divisé sur terre. Alors que je connais un autre papa qui à peine n'avait que deux enfants, mais ses enfants formaient une équipe. Wow. Alléluia. Amen. Écoutez, parmi les 17 fils, de ce premier exemple parental, nous remarquons une réalité, c'est-à-dire parmi les 17, disait, il y avait des soeurs qui avaient l'argent aussi, qui étaient riches, mais faute de cohésion, personne n'a su, n'est-ce pas, élever l'autre. Et chacun est resté braqué, alors solidement braqué par l'aisance bien-aimée formulée par les liens maternels. Ça nous arrive bien souvent, mais c'est que j'ouvre cette parenthèse, parce que ici je suis en train de parler de la collaboration. Surtout vos parents, vous mes frères et sœurs, à qui le Seigneur a fait reposer la bénédiction d'avoir des enfants avec plusieurs mamans. Mais écoutez-moi, l'essentiel n'est pas de compter les enfants, mais l'essentiel c'est d'en faire un seul. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. L'efficacité même d'une famille ne dépend pas du nombre des personnes qui la composent. Non. L'efficacité, c'est lorsque la famille représente une seule personne. Ce n'est pas le fait que tous nous avions le même nom. Non, l'essentiel, ce n'est pas ça. Mais l'essentiel, qu'on parle des autres, d'accompagner une seule personne. Les malheurs de l'un représentent les malheurs de tout le monde. Les bonheurs de l'un représentent, n'est-ce pas, le bonheur de tout le monde. Alors, c'est ce que le diable n'aime pas voir dans nos familles. Surtout lorsque nous allons, n'est-ce pas, en alliance, en harmonie avec la parole de Dieu. Lorsque le Seigneur Jésus prend place en toi, tu vas remarquer, nous sommes butés, nous, plusieurs familles, à ces genres de combat. Il faut lutter, il faut demander à Dieu tous les jours, même s'il faut poser des actes jusqu'à, n'est-ce pas, à présenter des actions de grâce pour vivre que tu aies une famille unie comme un seul. Nulle part dans la Bible, écoutez-moi, lorsque le Seigneur parlait d'Israël, il voyait beaucoup de gens. Non, c'est faux. Dieu, quand il parle d'Israël, il voit Christ. C'est tout. Et quiconque a reçu Christ, bien-aimé, représente l'Israël du Seigneur. Amen. Et le bon Dieu nous aide à comprendre qu'il n'y a pas de collaboration lorsque nous ne formions pas une équipe. Il en est de même avec les églises. C'est différentes chapelles, communément appelées églises, telles que la nôtre, la Amiens. Bien-aimé, nous sommes une force quand nous représentons une seule personne. Amen. Amen. Écoutez-moi, l'église n'est pas un problème idéologique. Sinon, nous allons former des militants. À l'église ne s'impose pas la loi du militantisme. Par contre, c'est la loi du discipulat. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un modèle.
Et ce modèle représente pour nous le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me comprenez, mes frères? Amen. Tel qu'il est, et il est tel que nous, nous sommes. Là, c'est vite dit parce que les textes supposent, bien aimé, une projection. Ce n'est pas parce qu'on le dit tel qu'il est, tel que nous sommes. Peut-être en vérité, tu désires à y être, à devenir, mais jusque-là, tu n'y es pas encore. Nous devons nous battre pour avoir, n'est-ce pas, la forme et l'image, le comportement, le caractère, bien aimé, la conduite qu'a représenté Christ. Christ a été le bonheur des autres. Nous également, nous devions servir, n'est-ce pas, pour le bonheur des autres. Et c'est comme cela que nous serions comptés fils de Dieu. Amen. J'étais en train de partager quelque chose avec mes frères à la maison avant de venir. J'ai dit, Jésus, écoutez-moi, la doctrine véritable, la sainte doctrine, je parle ici de l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, de m'aimer à élever la paix plus que tout. Il y a deux choses que je peux vous présenter aujourd'hui, de m'aimer pour faire valoir, ou n'est-ce pas valoir à cette collaboration, de m'aimer sans compter. C'est la paix et la sanctification. Elle ne l'irait chercher. Ça signifie quoi? Ça ne sert pas à notre portée. Mais notre travail dans la collaboration doit consister à la recherche de ces deux dimensions, de ces deux vertus. La paix avec tous. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, bien aimé. Il ne sait que ça ne sera jamais facile. Écoutez-moi. Il va même plus loin jusqu'à vous dire. Sur la terre, les choses ne seront pas faciles. Au bout d'un moment, ma réprimande, ma répression, ma cabou, il y a le lien et le lien. Mais le Seigneur nous demande, mais c'est la sienne, il nous demande de faire valoir, n'est-ce pas, cet esprit de paix avec tout le monde. Écoutez-moi, qui est puissant, qui est fort, c'est celui qui accomplit le meilleur schéma pour vivre en société, s'appelle paix, s'appelle sanctification, c'est-à-dire la haine du mal. Quand on marchera comme ça, Dieu fera beaucoup de choses. Je vous ai parlé du travail, je vous ai parlé de l'équipe. Et troisièmement, c'est là où en fait nous y sommes. La collaboration vise un ou plusieurs objectifs à atteindre. On ne peut pas collaborer quand on ne sait pas les objectifs. On ne peut pas collaborer quand on ne sait pas d'où nous allons. On ne peut pas collaborer lorsque nous ne savons. Écoutez-moi. Celui qui veut aller loin aménage sa monture. Comme qui dirait, c'est un adage, ne cherche pas dans la Bible. Ça nous arrange, mes frères, ça ajoute un plus dans notre foi. Parce qu'au-delà de toute connaissance qu'elle est formée dans la divinité, la nature doit également nous enseigner. C'est ce que dit la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais si vous voyez des disciples, que même état pour lui, nous allons contre. Parce que vous avez besoin de la sans principe, parce que quand ça m'occupe, comment on vous a un téléphone du Togo, et la paix du Togo, c'est un peu cri que j'entends comme ça. D'avoir Ngolo, moi c'est Ngolo, mon père est Ngolo, et c'est ça la vie, c'est le passé. Il y a des ceux-là qui s'appellent en humain chrétiens, mais qui déjà n'ont pas été, n'est-ce pas, recrutés de manière spirituelle sur la liste des frères. Ils s'y croient sur la terre être chrétien. Et pour eux, la vie, c'est gagner la nature. Frère Nassimamon, un homme riche, très riche, j'ai eu la chance d'avoir un diplôme qui était basé dans des dimensions d'excellence. Ça veut dire que j'étais lauréat avec beaucoup plus de pourcentage. C'est pas important puisque nous parlons de Jésus que je viens ici pour parler de mes prouesses, bien de mes scolaires, c'est pas intellectuel, non. Mais écoutez-moi. J'ai de la chance, lorsque on me donna, n'est-ce pas, la bourse d'études pour aller en Europe, et bien il fallait qu'une personne puisse m'aider avec un document. C'était un grand monsieur à la contribution de notre pays à l'époque. Mais ce qui m'a dépassé, lorsque je suis arrivé dans son bureau, c'était déjà aux heures d'après-midi, son secrétaire m'a dit ceci, il n'est pas là, il est allé à l'église. Je lui ai dit, mais non, si c'est vous, vous pouvez me passer son numéro, parce que j'ai besoin d'un document. Je dois vite retourner et le déposer quelque part. Oh,
Oh Seigneur, bénis le pasteur Jacques-André Vernon, qui a su quand même former du bon. Alors une personne exemplaire parfois pour la foi. C'était, bien aimé, écoutez-moi, extraordinaire pour moi. Le monsieur, le grand chef, le grand baron, le grand patron, bien aimé, que je vais chercher pour le document, était à peine, suivez-moi, protocole à l'église là-bas. Et lorsque je suis arrivé, je me souviens bien, avec un service, il est entré, c'est lui qui m'a accueilli. Moi, je ne savais pas que c'était de lui qu'il s'agissait. Il m'a dit bonjour mon frère, soyez le bienvenu dans la maison de votre père. Ce qui manque dans plusieurs protocoles. Attention, tu risques d'être confondu à un robot. Le protocole parle, il exprime le bonheur de vivre ensemble. Amen. Alléluia. Amen. C'est bon, ça peut servir d'une correction à une personne, que ce soit la bienvenue pour toi. Amen. Et pourquoi pas une bénédiction de plus. Amen. Ça veut dire qu'il y a des races de personnes, quand tu les corriges, vous lui portez une manière, il commence à chercher quoi la lumière dans la chair. C'est comme si la correction va se passer au ciel ou sur la terre. Oh. Que Dieu soit loué. Amen. Et ce monsieur me disait à la fin, la personne nous a dit qu'elle est là. Le calme. Alors, on lui dit la main, on va lui dire qu'elle va robe, qu'elle va touche, qu'elle va nous amener. Et il est monté, bien aimé, il m'a dit entre. J'étais dans une jupe là. C'était même plus que le salon d'accueil de mon père qui me donnait plus alors des conditions mondaines. Et ce jour-là, j'ai parlé. Et on est retourné en ville, il a signé le document. C'est ce jour-là que j'avais compris. Écoutez-moi. L'humilité est plus que rester pour sa chair. L'église a aujourd'hui besoin d'aller, écoutez-moi, il y a un objectif. Une telle personne a besoin d'accepter. Son objectif, mais sur la terre, les gens sont là, écoutez. Je vis des citadelles, excusez-moi, je parle des citadelles. Et même parfois du royaume, étrangère, n'est-ce pas, de la doctrine véritable de Christ qui discutait. Mon gars, le la main, il n'en a pas là. L'autre, au lieu d'être fier aussi de répondre, que Nabé n'a pas là les noces de l'agneau. Alors, il a dit, le souci, maman. L'homme va terminer, il n'a pas. C'est ce qui était plus excellent, l'objectif des objectifs, pour lui là, parce qu'il était marié. Écoutez-moi, on doit chercher, l'Église doit nous ramener à comprendre que la collaboration avec le Seigneur Jésus n'a rien à voir avec les réalisations matérielles ou sociales. J'exprime une chose. Amen. J'étais en train de lire quelque part, mon américaine connaît mieux la Bible que moi, il peut peut-être situer, bien aimé, l'adresse exacte de ses écrits. Mais je n'ai pas fier modérateur qui est en train de parler bibliquement. Je suis fier de toi, aide-moi aussi à retrouver ces textes. Je suis ici dans une relation, alléluia, amen, qui a existé dans la royauté. Hier, sois au Bouddha. Un bébé nourrissant a été colombaté autant molaté. Et qu'est-ce qui se passe? Bébé, il vient comme le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Alors que le seigneur a oublié, face à un royaume naïf. Mais tu peux même aller à tout ça, mais le monde est tout ça, le royaume, monsieur. Vous n'avez pas son maillet et à oublier dans le royaume, les arabes. D'un moment, les enfants de Dieu sont moins sages parce qu'ils n'ont pas compris. Bien aimé, écoutez-moi, l'efficacité dans la collaboration avec Christ. Lui-même, il est né comment? Au moment où il y avait Hérode qui régnait. Bien aimé, si l'Europe, il y a Bouddha. Hérode était roi. Alors qu'Hérode n'a pas accepté, il avait déjà des royautés. Ça veut dire de ce côté, il y avait Hérode. De l'autre côté, suivez-moi. Il y avait aussi le rétablissement, bien aimé, écoutez-moi, le reflet du rétablissement du royaume d'Israël avec la naissance de Jésus. Mais qu'est-ce qui est bizarre? Pour la maman de Jésus, elle s'est dit, tout comme pour Joseph,
même les alentours de la famille, qu'elle soit élargie, si pas restreinte. C'est disait ceci. Ah, bébé, même ça, au temps, ça va faire au moment où on va faire le voyage, il va au sale. Qui vous dit que l'ennemi blague, bien aimé, écoutez-moi. Là où il y a déjà une activité, même lorsque la divinité est encore stérile, est encore, bien aimé, ne représente encore aucune force, ou même aucune des forces. Il n'y a qu'un fou qui croyait malheur, malheur, mais qu'un homme au sale. On ne blague pas avec la divinité. Lorsqu'il y a déjà un bouclier, la guerre commence. Amen. 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 Puisque tu es déjà ici. Et tu écoutes, bien-aimé, écoute-moi. L'oraison qui cache l'ouverture expressive de ce livre. La guerre a commencé. Cet homme de plus de 50 ans d'Europe a pourvu sa bébé au capot. À quoi on va pas croire un homme qui est sorti dans 10 ans pour s'en charger, vous voyez? L'Europe a accepté. Même tous les fils, on va pas au tabaki. Bien-aimé, il y a un camarade. Quand la peau tue la vie, papa va répéter, mais ça vient d'un famille. Attention, mon frère, ma soeur. Quand la collaboration commence déjà, quand il y a déjà présence de sa divinité, oh là, la guerre a déjà commencé. Amen. Mais je peux vous aider à comprendre quelques iodas. Écoutez-moi, il y a une réalité parfois confuse qui nous anime. Et bien souvent, on ne comprend rien. Que Dieu nous aide pour que cette école nous aide. Je vais prier pour quelque chose comme des stigmates. Pour que vous puissiez comprendre en fait la corrélation qui existe entre les réalités bibliques autant de rôles et ce qui se passe aujourd'hui. La force qui a combattu Jésus, entre guillemets, ou même représentée par Hérode, représentait une politique. Très bien. C'est un pouvoir politique. Le premier ennemi de l'Église véritable, c'est la politique. Oh. Wow. C'est la politique. Et donc, Hérode représentait une force politique. Raison pour laquelle je ne suis pas contre les hommes de Dieu. Je parle ici des hommes de Dieu. Ça veut dire des leaders appelés à conduire et à diriger un peuple. Je ne suis pas contre, bien aimé, l'exercice politique. Mais je vous dis seulement, le premier ennemi de Jésus, le premier ennemi dans la collaboration avec Christ, c'est la politique. Il y a trop de tumultes, bien aimé, par rapport à plusieurs réalités qui se passent, même actuellement, bien aimé, ici sur terre, pour ne même pas parler de notre pays. Vous avez remarqué ceci. L'Église est en train de souffrir à cause de la politique. Hérode représentait encore quoi? Hérode représentait une adoration falsaire. Américain, tu as dit avec moi. Il a dit quoi, hommage? Allez seulement voir, vous n'allez pas adorer. Allez seulement voir. Quand je serai au courant que réellement cet enfant est né, moi j'irai là. Le deuxième ennemi de la vraie église dans la collaboration, c'est l'adoration falsifiée. Pardon, il m'a dit, ça n'a pas de résultat. Voilà, bouche à côté. Sauf qu'il n'y a pas de résultat, il n'y a que des adorations passées. Il y a des gens qui sont doués dans les domaines de tomber dans des églises. J'ai un pasteur est venu ici un jour, que je respecte avec beaucoup plus d'abnégation, exprimant un honneur, bien aimé, incontournable. Il n'est donc été tombé. Mais grâce, on est rentré à la maison, je lui ai posé la question. Tu es tombé pour. Tu es tombé parce que tu étais bouleversé avec les informations. Pour une seconde. Il dit, tu veux que je te dise une chose. Vous voyez une différence entre efficacité et action spirituelle et Saint-Esprit à ruse. Ruse. Et nous avons un zambakumbam.
kombo ya moto. Yango mwana mangomba na biso. Je ne fais pas de l'église amiable, soit l'église où on va parler du docteur évangéliste béni. Non. L'église amiable doit parler d'une alliance qui s'appelle Jésus-Christ. Comment vous remarquez ces actions? L'évangélique s'est posé au moment où plus ça valorise des imams, plus c'est la tête d'une personne. Moi-même, c'est une histoire. Église, il y a Yesu Massi, il y a personne. Ah non, il y a Vandagata. Qu'on parle de Jésus. Sinon, on peut aussi parler d'Israël, peuple de Dieu, mais personne n'a envoyé un désert de Damas qui est allé jeter la femme pour Israël. C'est compliqué. Quand c'est la ruse qui fonctionne, ça veut dire la séduction. Vous allez remarquer que plus Batoubé va venir. Papa, il faut que nous hein? Nous sommes en mutation, c'est placé en gourou. Non, même pas la télévision. Télévision, je vous dis. Ah, il a quand même pas ma bonne vie. Donc, il y a une vie. Au long de l'instant, les gens ne vont pas avoir de bonne vie. Il y a quand même pas ma bonne vie. Ah, quand ils parlent, ils parlent d'eux. Et quand vous allez dans ces églises, même les enfants du pasteur sont des stars. Si papa reste devant avec maman, tu ne pas dans la cuisine là-bas. Je vous avais parlé de mon bilan. Je vous avais parlé de ta bilan. Il y a aussi des pompiers. Cette église est si vite allée. Parmi les bombes, c'est comme si ce pour m'aimer les pambolies. Nous sommes dans ce qui est la vie, nous l'entendons ici, nous avons un bistrait, nous avons un détaillement en Ossali. À l'écoute de la souveraineté, nous avons foulé la vie, nous avons foulé avec l'expression, bien aimé, l'expression intellectuelle et comme nous avons voté à terre. Vous savez pourquoi j'ai beaucoup plus de facilité à pouvoir exprimer la parole de Dieu? C'est parce que je suis intelligent. C'est pas seulement l'onction. Ce qui agit ici, c'est l'adoratoire. On appelle ça en français homilétique. Ça, ce n'est pas une déclinaison charismatiquement fondée par le Saint-Esprit. Non, c'est une déclinaison scientifique. C'est la vérité. Attention, au moins, on a tout à contourner. Bah, comme on a un bat. Zambéa. Elles ont présenté à mon musicien, mais c'est bon, t'as un bébé, c'est car Dieu n'a rien dit. C'est pas important que vous citez mon nom. Regardez l'église, ça beaucoup plus stable dans le monde entier, même dans le monde entier. Et ça, l'église, on va dire, on va dire, on va dire, on va dire, ils ne font pas trop de bruit avec les émissions de tout. Dieu, mon père, aide l'église. Que nous comprenons les objectifs. Parce qu'on va comprendre les objectifs. Même en venant ici, lorsque tu sais, tu as mis à pourquoi. Tu as mis un message du sol. Pour que Jésus soit dans mon kit. Il va m'aider. Il va m'aider à moi. Pour transformer ma vie. Va comme le collier Jésus. Bongo, ma promesse, ses amis, n'a pas beaucoup de autres temps avec qui me dire. Donc, la promesse qui tombe pour le corps, la solide, nous qui n'avons pas conduit à table, mais justice n'a rien à faire, n'a pas à couper sa paix, le reste. Dans la vie d'un véritable chrétien, écoutez-moi, il y a un bundaka, il y a un bukaka, c'est la paix, la sanctification. Et on va dire, à partir de la semaine prochaine, ça veut dire que le dimanche, tu es allé mardi. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, on viendra ici prier uniquement pour chercher la justice dans nos vies. Il y a des gens qui doivent changer bien les mêmes mécanismes là-bas. Et ça n'a pas quoi, il ne faut pas changer les mêmes marches. Et ça n'a pas quoi, on n'a pas quoi, mais les mêmes mécanismes, il faut être bon moi et les mabambo pour ça là, n'est-ce pas, en possession, il y a héritage, il y a mon també.
Bon, mais ce qui m'a dit, pas rien à vous. Vous avez une église, c'est un peu comme nous, nous sommes distrait. Frère, tu tout pas aimé les guébés. Non, on avait déjà la carte d'amour, on a dit merci, la merci, la terre. Alors, comment on a qu'un distrait, là? C'est qu'un bon conducteur de véhicule ne peut pas faire, c'est de regarder de gauche comme de droite. Je suis ici en train de vous parler de Ticus, qui a eu la chance d'élever la troisième dimension dans cet immeuble de Christ. Parce que moi, je lis l'apôtre Paul, dit, je connais un homme, mais il était dans d'autres aussi, pas dans d'autres côtés, qui a eu la chance d'appuyer par des paroles ineffables. Alléluia. Amen. Et ce jour-là, il a eu la chance, Ticus, d'écouter les paroles de la troisième dimension. Parce que notre Dieu a trois grandes alliances. La divinité fondée, écoutez-moi, par Abraham, c'est lui le père de la foi. Il a eu trois alliances. Pourquoi vous ne citez que deux? Et moi, qui est tout là. Il y a des alliances principales. Ça signifie quoi? La parole de Dieu, c'est d'abord les Écritures. Deuxièmement, c'est la révélation des Écritures. Et troisièmement, c'est l'expression de la vie du témoignage que tu dois faire sortir. C'est limité à deux. Ah non! Ah non! C'est peut-être qu'il faut qu'il y ait deux témoins. On a ajouté également un troisième. Et là, il y a deux ou trois témoins. C'est bon. Il y a des seuls à faire au taille. Avant qu'il dise une connaissance d'un niveau, pourquoi tu peux dire quoi? Mais si vous voyez dans l'expression troisième témoignage, a dit ça humain ou non. A dit ça au tabé ou non. Ça pose un problème. Nous avons besoin que le Seigneur nous aide, mes frères et sœurs. Sinon, nous serions cette adoration renversée. Cette adoration falsifiée. Pourquoi on dit qu'elle est falsifiée? Parce que c'est une adoration qui a détruit l'essentiel. Qui a détruit, mes frères et sœurs, la vie. Il y a un commandement qui dit ne tuer. Point. Mais ce commandement n'a pas défini qui n'est pas tué. Le commandement dit seulement ne tuer point. Nous ni Moutou, ton ami, ton yéni, t'es Moutou, à Paxi, Moutou, ça y a Matissi. Pas personne en Bible, ton nom, l'autre, pas ça. Ton nom, l'autre, 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 c'est la vie qui est Christ. Ils ne vont pas la tuer. Il y a comme une Paul, une bombe. Après les apôtres, le chapitre 9e, c'est là où vous démarrez le grand esprit Jésus, il a Paul, même Saoul, des tasses en ces temps-là. Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu? En croyant qu'il y ait la mine. Il exerce aussi. Plusieurs exercent, mais la race déroule. Ce sont des personnes qui aiment que la loi soit pérennisée. Frère, toute église, toute vie, on essaiera dans mon bête, mais inaugurer la nouvelle alliance. Parce que Christ, c'est la fin de la loi. Amen. Quiconque n'a pas Christ, c'est qu'il est en dessous, sous la loi. Amen. Chaque communauté, chaque regroupement, chaque église ou même un individu, mes frères et sœurs, qui n'aiment pas que Christ soit là, n'a finalé au sort pour remarquer dans sa communauté, comme à Gamboana, au moins même des grands occultistes là, ensemble. Vous avez un mot de comme tu as dit, ma qui nous semble. C'est que ça n'est pas avec l'autre. On a besoin d'une divinité pour être mis à la charge de Dieu. Nous, on connaît les temples existent. Ouais, mais il y a plus comme ma caméra, il y a un peu de temps à tomber blanchi. Il est trop dans l'intérieur. On nous a porté, bien aimé, écoutez-moi, une collaboration qui ne regarde que l'extérieur. Nous avons la foi, il y a bien. Ma camion se tourna et fanda. Mon thème est symbolique au sacre. Mon santa, quand il y a une table à la naïote, pour ne pas mourir. On n'a pas dit par la. Ça, c'est un problème. C'est une grande difficulté pour l'église. Ni en sonine, tout est libre à tout ma paix. Toute la politique est engagée des voleurs, des détourneurs, des chipeurs.
Et la loi, la justice même, la loi de notre paix. La Bible dit c'est la justice qui élève une nation. Donc, il faut que nous puissions nous faire là. Nous avons un peu de temps pour nous faire ça. Tout le monde est en train. C'est compliqué. C'est compliqué. Je vous ai dit ceci, mes frères et sœurs, souvenez-vous de ce que nous-mêmes de là où nous sommes, nous étions arrivés la fois passée. L'impact de définir les objectifs dans une vision. Elle va clarifier, structurer la vision. J'ai parlé de ça. Deuxièmement, elle va faciliter le travail à l'interne ou entre partenaires. Donc, il faut vivre bien à Kati Awate, c'est que tu as objectif. Sauf Monica, église, il y a problème, il y a problème. Tout ce monde est motivé, tout le monde est en c'est une place qui est gagnée. Parce que quand il y a une place qui est gagnée, il y a une pourquoi le Seigneur m'a appelé. Faire on va vivre bien. Amiens les livres, on va dire que nous ne pouvons pas faire nous avons comme un libacou. Allez, tout crucifié. Non. Les livres, on va dire que nous avons tout le monde le bon qu'on a fait à l'aider, tout soutenir. Soyez ton lien, il va objectif. La mission, bien, frère, la vie en communauté et vous avez qui tout. J'ai horreur aujourd'hui, dans l'église, dans la mission, dans la église, dans la mission. Mais vous allez remarquer, même des consoles, ils ont pas maintenant, vous avez quoi, ils ont sur l'état. Troisièmement, elle va favoriser la réussite du travail à grande échelle. Place que souvent qui est bon. Vous allez remarquer tout simplement qu'on connaît les objectifs. C'est tous les jours que l'Église va croître. C'est tous les jours que Dieu va commencer à envoyer l'État. Aujourd'hui, on va parler du quatrième impact. Réussir la mobilisation des ressources charismatiques et humaines. Elle va la mobilisation des ressources charismatiques et humaines. Je vais ouvrir une brèche importante ici. Suivez-moi très bien. Une troisième fois, elle va réussir la mobilisation des ressources charismatiques et humaines. L'Église a besoin de plus de ressources. Nous avons besoin de ressources charismatiques. Parce que dans une église, lorsque il n'y a pas de meilleure opérationnalité de l'esprit, vraiment, comme Béli, on va nous en bloquer. Une ressource charismatique telle que la foyance, ça veut dire le prophétique. Nous avons besoin de ça. Le prophétique est fondé dans l'expression clarifiée d'une vision. Nous serons une église puissante, une église prophétique, lorsque, écoutez-moi, tous les jours que mon Seigneur m'a mis sous, mais nous sommes à mis et que nous avons exprimé de manière claire la vision. Nous sommes encore une église prophétique, non. C'est lorsque la voyance est imposée. Il y a le même, nous sommes dans le vide, dans la pulmonerie, pas nous sauter. Ça fait toujours du bien à une personne. La nuit, je ne dormais pas. Je voyais mon ami Ngamou la nuit d'aujourd'hui. Je priais pour lui. Je ne sais pas pourquoi, je sentais une compassion. Vers 6 heures du matin, je disais, j'attends que maman la casse. Où je ne sais que la tige ou Charlène y entre, peut-être dans la chambre pour que je me dise ce que j'ai vu. À 6 heures, ma porte là, je dis entrer. C'était un frère d'amour. Accompagné de son mouflot. Il m'a dit, papa, voilà. Je suis venu vous voir. Frère, je priais pour lui, je ne savais même pas qu'est-ce qu'il faut dire. Qu'est-ce qui montre, bien aimé, écoutez-moi. Que nous sommes enracinés dans la vision, c'est la puissance de la voyance. Que votre voyance ne voie pas le mal des uns des autres. Comme l'église Moubimba, n'a pas fait ça, il y a un homme qui a dit qu'il 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 y a
Nous sommes pas dans les bosses.
des influences sont négatives. C'est ça le charisme. Il y a une soeur à peine arrivée à l'église. Elle dit, papa, j'ai encore. Amen.
ressource charismatique, alors le fait charisme. Donc on retenir le mot charisme là, solo et fonctionnel. Malade, ce qui bat au coup le bazar, soit un mot, baillé, jusqu'à bazar au coup. Et que ça va être charisme pour sauver. Frère, on va nous faire des mots. L'ami est au soin d'âme. Même on est mis en âme. On peut s'en exemple au sport, mais t'es là, il est. La cabine en âme. Dans ma chambre, sous tes têtes, ma cabine en âme. Pourquoi tu veux comment on a bien bien? Pourquoi l'église, si on a la cabine en âme, on a un âme, on a un âme, on a un âme, mais les athées. N'a qu'à mon bout de monde, on a un âme, on a un âme, on a un âme, on a un ah non, mais là, attendez quelques années, qu'est-ce que tu m'as dit là? Mais tout le monde est là, c'est un ami. Ma vie, pour nous battre, nous sommes à battre, mais il n'y a pas de faux charisme sans mourir. Si tout va bien, on va qu'il m'en a mon âme à tout moment. J'aime mon ami Kisha. Il ne te dit pas Dieu m'a dit. Il ne te dit pas l'autre indoto. Papa Joseph a dit j'ai eu un songe. Mais il n'y a pas de moteur. Ou la voyons dans le Seigneur. Il y a un peu beaucoup plus de papa, le Seigneur m'a parlé. Ah! José m'a dit, j'ai eu un son. C'est la race de Kisha. Alors, on va voir la suite de tout. Amen. Il y aura un message aux hommes. La poste est libre. Casse-moi. Alléluia. Amen. Et, on a un message.
Parce que moi, ma père, l'église, elle m'a pas donné là-bas. Arrête ça, mon ami. Père, car quoi, il y a gardé. N'attends pas l'accent, mon mot, car là. La tout le score, puis sur nous, sur nous, à ça, l'accent. À mis sur ma bébé. Ou bien, ma sage, ma sage, ma puissant, même là où va voler là. Là, ça voler là-bas, là. Là, ça vous c'était là. Là, c'était là. Charisme la propre et que la possède la tête sera bonne et que la collée la tête sera grosse. Seigneur, donne-nous le meilleur charisme. Il y avait un frère qui est entré ici, papa qui dit Baba Pesta, à qui ma famille, à papa qui peut. Je vous dis, nous n'avons pas un exemple aussi bon. Écoute pour la personne qui est comme on est. Par réserve, les dames sont pour maman qui a pris. Dans mon entier. À quel tiers, papa, 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 papa. Même à avenue Bombolo, un individu. Je ne sais pas si les frères dans ici. Alors, il y a un homme qui a été malou. À ça, on va mèche, à ça, pénible. Mais c'est ma grande soeur. Alors, il y a un homme qui a été malou. On a effectivement malou. Jusqu'à ce qu'on a fait un vide. Quand on s'est là, on s'est embêté. Que j'enseigne la parole de Dieu, que j'enlève.
lève leur bien. C'est ce que je fais, que Dieu nous donne des charismes véritables qui fonctionnent corollairement à notre objectif de transformation des femmes. Pas les charismes qui vont nous diviser. Et chapitre, je termine en vous disant une chose extraordinaire, mon ami le croyant. Moi, je suis à Boutou. Alors, il y a un volume. Mais quelle est la musique? Même ces basons, la chanson que Nazan a donné à Biman pour mon maman. Wow. Que Nazan a donné à Simba et à Boutou. Nous, qui sommes là. Toi, pas de mon potage sans sucre. Voilà ce que ça ne pas de l'économie. Comme il parlait, va créer ce qu'on évangile de la nature. Va bien un mot intense. Papa, une intoxication. Il y a besoin pour ma vie. Moi, il y a comme spécialiste d'information. Il y a un peu de la attention avec l'intoxication. Les charismes de la sont. Que nul ne vous dise, soit que je vais donner même les 400 matchs. Que nul ne vous dise que je vais donner quoi que ce soit. Peut-être ce qu'il n'a pas compris, je le fais avec sa mère. C'est le bonheur d'un père. Alléluia. Amen. Que Dieu nous donne des charismes véritables. Amen. Pour que nous puissions avoir la prophétie de Kamola du Sopi. Et ça nous a pas stoppé dans la vie, nous avons l'air de faire un peu. Et maintenant qu'il sommeille, et maintenant qu'il curiosité. Dieu a toujours des choses à dire pour que notre église devienne grande. C'est ça avec même les combos. Puisqu'il n'y a pas de vrais prophètes établis. Il y a mon message au Père de Bakondi, et ça dit. Nous sommes comme bon, peut-être une bonne mot à l'époux, les mecs qui vont attendre en train de frapper dessus. Pourquoi vous allez faire ça? Quand Dieu donnera au Congo les vrais véritables prophètes à cause de sa schéma d'adamant. Je dis le roi là où qu'elle est tard, je termine là. Dans Daniel 3, je vais mettre à voir un songe. Alors non seulement la pose à des songes, mais aussi dans un apôtre sans père pour interpréter les gars. Ça veut dire que la peau. Il y a des morceaux. Aïe, 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 aïe. Allez, ensuite, à interpréter. Mais la puissance de Daniel n'était pas absente. Daniel est arrivé. Mais non seulement qu'il a révélé les songes oubliés, mais également, il y en a une interprétation. Nous avons besoin des gens qui vont parler de la part de Dieu. Parce que nous sommes conscients de la vie. Au point. Et deuxièmement, comment il peut ma capable pour changer dans ma vie à battre. Que Dieu nous donne ses charismes. Qu'il nous donne ses sons à l'église. Nous en avons besoin. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom.